Bienvenue, ici War Surveyor Chrységas qui s'adresse à tout le monde. C'est parti pour la suite de FC25 sur PS5. Je vais continuer le jeu et les trophées, je vais continuer de l'intégrale de la saison. C'est parti.
suivez le spectacle, vous n'allez pas être déçus. Ce soir, l'ambiance est exceptionnelle. Ici Benjamin Da Silva et à mes côtés, celui qui a été champion de France avec Monaco et avec le Paris Saint-Germain, Omar Da Fonseca bien sûr, pour vous commenter ce match. Ça va être un plaisir de suivre cette rencontre, les Young Boys face aux Founders. Quel plaisir de venir assister à cette symphonie. Les deux équipes ont accordé leur violon, leur tambour. Quelle fête commence! Et voici le line-up des Young Boys. Lilian Thuram avec Upamecano en défense centrale. Camille Gabili sera épaulé par Corentin Tolisso au milieu. Et enfin en pointe, Olivier Giroud. Voici la composition des Founders dans le but. C'est Ederson, Van Dijk avec Cristiano Romero au centre de la défense. Et devant, on retrouve Fernando Morientes. Attention, voilà un bon duel. Ah, c'est bien fait pour éloigner le danger. Ah, il dépose l'adversaire là, en excellente position pour tirer. Allez, voilà le premier but du match. Très très vite, l'ouverture du score. Goal. C'est une réaction obligatoire pour les Founders. Martinelli. L'attaque se poursuit, balle au pied. Oudogier. Bernardo Silva. Oui, bon geste défensif, touche à suivre. Allez, il y a un peu de champ dans le couloir. Ah, il repique vers l'axe. Ah, c'était bien parti, mais ce ballon est perdu finalement. Ah, il y a du monde là, quelques possibilités. Giroud. Parfait pour ses débuts. Premier match et premier but. Quelle contre-attaque. Regardez un peu. Il y a la vitesse, l'intensité, l'efficacité, l'accélération. Tout y est. Et voilà la finition en force pour remporter son duel contre le gardien de but. C'est vrai que le bruit du ballon contre le filet, ça fait partie aussi de la joie du buteur. Les Founders qui viennent provoquer la défense adverse. Il y avait de quoi faire sur cette action, mais pas comme ça. Bonne intervention, le danger s'éloigne. Ouais, bien défendu, sans faute. Fernando Morientes. Olivier Giroud. Ouais, la bonne lecture pour stopper cette offensive. Bellingham. Ouais, pressé, c'est ce qu'il faut faire et c'est bien joué. L'idée était bonne, mais c'est malheureusement un peu trop enlevé. C'est déjà bien essayé de recoller dans ce match. Bien défendu. Et le face-à-face à venir. Et but ! Goal, goal, goal ! Son deuxième du match, le doublé, inarrêtable, implacable. Quel sens du but ! Le contre, c'est aussi très beau à regarder.
Ce qui est particulièrement intéressant, c'est la vitesse d'exécution et la volonté de prendre tout de suite la profondeur. Et pour conclure l'action, une frappe puissante pour tromper le gardien. C'est le tir de l'instructeur kamikaze. Attention, je ne le dirai qu'une seule fois. Barcola. Et la récupération des Founders. Attention à cette passe. David, il peut marquer. Parade hallucinante, à bout portant. Oui, il a été génial. Il va pouvoir dormir sur ses deux oreilles. Et le corner ne donne rien. Le ballon est renvoyé par la défense. Excellente intervention dans la surface. Et oui, c'est réussi, il est passé. Et oui, le plongeon d'Ederson. Et voilà le coup de sifflet de l'arbitre. C'est reparti. Espérons que les Founders arrivent à réduire rapidement le score. Le ballon sort en touche. Dépossédé du ballon. Et l'action se poursuit dans le camp adverse. Et c'est le moment de déclencher. C'est une récupération du ballon sur cette action. Le tacle glissé, mal maîtrisé, coup franc à venir évidemment, et peut-être un avertissement aussi. Et l'arbitre sort le carton jaune pour cette faute, c'est mérité. Très bonne décision. Absolument. Ah, le ballon est perdu, sur l'intervention. Coup franc, faute signalée par l'arbitre. Le public avait une frappe. C'est compté par Van Dijk, attention. Gusto. Et voilà, un ballon bien intercepté. Du soutien en attaque. Et aucune des deux équipes n'arrive à contrôler le ballon. Et c'est pour Phil Foden. Et c'est pour Bellingham. Le ballon des Founders. Ah, le contre est possible. Et le champ était grand ouvert, mais finalement ce contre ne donne rien. Ballon perdu. Bellingham à la réception. Et oui, le tir. Ballon sorti, corner à suivre. Et le changement est demandé et il a lieu. Petite astuce, c'est joué court. Gaëtan Tinet. Giroud. Dans toute la défense là. Oh là 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 là. Premier match et déjà un triplé. Incroyable histoire. Il frappe trois fois pour entrer dans le cœur des supporters. La contre-attaque, c'est le football du vertige. Regardez, on a l'impression que le terrain penche tellement ça va vite là-dessus. Et le bouquet final a consommé sans modération. Ça donne une sensation d'esthétique et de puissance. Et ce ballon qui est récupéré par les Founders. Il y a du monde là, quelques possibilités. Le numéro 13, Martin Odegaard.
Le ballon pour Bernardo Silva. Bonne intervention pour stopper l'attaque. Et il se défait là de l'adversaire direct. Et il ne s'est pas avoué vaincu. Il a repris finalement ce ballon. Oh là là, quel faute, quel tacle dangereux. L'arbitre devrait logiquement sortir un carton. Il faut maintenant voir la couleur. Et l'arbitre n'hésite pas à les accabler un peu plus avec ce carton rouge. Ouh, l'arbitre qui siffle la faute et ça donne un coup franc très bien placé. Et le gardien vigilant sur ce coup franc bien tiré. Corner. Pedersen pour le sauvetage, magnifique. Encore 2 minutes seulement à jouer dans le temps réglementaire. Ah, le bon geste défensif pour couper l'attaque. Bien défendu, Upamecano. Le coup de sifflet final, donc dans cette rencontre, on va en rester là. Si tu as des questions, n'hésite pas, reste passionné dans ce que tu fais. Fin de la vidéo.